avec moi un champion, ou plutôt un sportif de haut niveau, champion bien sûr, qui pratique le hand chez Saint-Nazaire Handball. Jack. Bah, moi c'est Jacques, j'ai 23 ans. Donc j'ai débarqué en Loire-Atlantique, ça fait maintenant un an et demi que je joue au Saint-Nazaire Handball. Donc moi je viens de région parisienne, de plaisir. Voilà. Donc j'ai commencé le handball là-bas à 9 ans, à l'âge de 9 ans. Après j'ai enchaîné sur un club à côté de Versailles qui s'appelle Le Chesnay. Après j'ai enchaîné sur les moins de 18 championnats de France. Et en étant au club en Pôle Espoir. Donc pour les jeunes sportifs de haut niveau, donc j'ai fait Pôle Espoir de Chartres, champion de France 2009. Après j'ai fait Pôle Espoir de Nice. À 17 ans, je jouais déjà en N2. Après ça, je suis revenu en centre de formation, centre d'entraînement sur Massy, là où j'étais déjà en moins de 18 championnats de France. Donc j'ai évolué en N3, là où on est monté en N2. Et j'ai joué aussi avec la Pro D2, qui est maintenant la Pro League. Et voilà. Voilà. Non, je ne suis pas par hasard à Saint-Nazaire, non, parce que j'ai un de mes anciens copains, Alexandre Lecomte, qui m'a fait venir ici et qui m'a fait découvrir, cette ville. Alors, parlons déjà du club de Saint-Nazaire. Comment ça se passe avec le club? Franchement, on est bien en ce moment, comparé à l'année dernière. On fait une très bonne saison. L'objectif, c'est le podium. Bon, on aurait bien voulu être en première place. Bon, on est troisième. On est content de ça. Bon, après, la saison n'est pas terminée et on va continuer à se battre pour pouvoir progresser et pourquoi pas aller plus haut. Ton intégration au club, comment ça a été? Ouais, c'est bien passé. Hein. Franchement, des garçons super qui m'ont bien encadré, qui m'ont bien accueilli, qui m'ont fait découvrir la ville. Donc ouais, franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et pour toi, la Saint-Nazaire, c'est une ville sport, du sport? Ouais. Par rapport à où tu étais ou peut-être par rapport à l'ensemble des villes que tu connais Ouais, franchement, c'est une bonne ville sport. Hein. On a le hand qui est en N2, tu as le volley, le rugby, franchement, c'est ouais, la boxe, exactement. Voilà, tu as la boxe. Franchement, ouais, c'est cool, j'aime bien. C'est une bonne petite ville. Franchement, j'aime bien, c'est cool. Depuis que tu es arrivé, tu as eu du monde, des publics qui te suivent à Saint-Nazaire? Ouais, je sais pas, je vais pas dire ça comme ça, mais ouais, j'ai... Sur les réseaux sociaux, il y a du monde qui te suit? Bah, j'ai des gens qui me suivent, mais c'est des amis, des connaissances, des copains du hand, des copains de travail. Ouais, après j'ai ma famille qui me suit beaucoup, qui me supporte beaucoup, ma mère. C'est le plus important. Et mes petits frères, voilà, ma grand-mère, mes soeurs, mes petits-neveux qui sont beaucoup derrière moi et on lâche rien pour eux, quoi. Donc ouais, c'est plutôt cool. Toi qui es sportif professionnel, comment tu passes tes journées, Jack? Bah, donc là, bah, je travaille hein, à côté. Donc, travaille en quoi? Je suis assistant d'éducation dans un lycée. Donc, lequel lycée? Aristide Briand. Donc j'ai plus. En comptant les gars de devoir. Voilà, les CPE et tout. Donc les lycéens aussi seront contents. Leur passer un petit coucou, une petite dédicace. Donc ouais. Ça se passe bien avec les jeunes? Ouais, ça se passe super bien. Il y a beaucoup de jeunes du club, tout ça et tout. Donc, ils viennent te voir, les. Ils viennent me voir. Donc j'ai des horaires super aménagés. Donc c'est plutôt cool, ce qui me permet de bosser sur moi-même, sur mon physique. Donc je fais deux à trois séances de muscu par semaine. Donc je fais 1h30, 2h de séance, ça dépend les jours. Et... Je te vois, tu t'arraches beaucoup à la salle de musculation et je te vois souvent. Bah ouais, c'est important parce que c'est quelque chose maintenant qui est imprégné dans le monde maintenant, tu vois. Et tous les clubs de haut niveau font de la muscu, pas forcément des trucs lourds, tu vois, mais on travaille beaucoup sur l'explosivité, la force, l'endurance, ces trucs comme ça, et c'est super. C'est agressif.
C'est agressif le rugby. Ouais, plutôt le hand. Ouais, c'est un sport de contact, tu sais. C'est un peu dans les contacts. Donc ouais, il y a beaucoup de ça te rentre dedans, beaucoup d'impact quoi. Donc ouais, c'est important la muscu, et arrivé à un certain stade, tu peux rencontrer des belles marmules, donc faut être prêt physiquement quoi. Il y a Florent Manodou, le champion olympique de natation, qui pratique maintenant, je pense, dans un club. Comment tu vois la chose ? Bah moi, je pense que c'est mon avis personnel. Hein. Après, je pense que beaucoup pensent comme moi. C'est très bien. Il a voulu faire, je pense, une reconversion ou s'essayer. Mais je pense pas qu'on devienne un balleur de haut niveau comme ça. Je pense que c'est un travail sur la durée. Et puis voilà quoi. Après, il a commencé. Faut avoir certaines capacités physiques en tant qu'handballeur que les nageurs n'ont pas. Donc c'est une condition physique spécifique, mais voilà, s'il est déterminé, pourquoi pas ? Non, c'est déterminé. C'est compliqué techniquement parlant. Ah ouais, après s'il est déterminé, pourquoi pas ? S'il est déterminé, mais bon, le travail va être long pour lui, je pense. Je pense, ouais. Pour les jeunes de Saint-Nazaire et d'ailleurs, c'est quoi le conseil que tu veux leur dire pour la pratique du hand et pour le sport en général ? Bah, pour ceux qui veulent aller au plus haut niveau, c'est de se battre, de rien lâcher, de tout arracher et surtout se battre quoi. Faut avoir la motivation, faut être un acharné et rien lâcher. C'est ce que je leur conseille, et rester sérieux et rigoureux dans ce qu'ils font. Je suis aussi handballeur international avec l'équipe de la RD Congo. Pourquoi Congo et pourquoi pas la France? Parce que j'ai pas encore le niveau des experts et qu'ils sont arrivés à un certain stade où ça va être compliqué de les rattraper. Moi, c'est lucide de ta part et voilà, c'est. Voilà. Donc après, on essaye. J'essaie de me battre avec l'équipe nationale et pourquoi pas faire. La CAN en 2018 et aller au plus haut niveau quoi. Je vois que t'es bien en club ici, Jack, t'aimes bien le fitness? Ouais, franchement je kiffe bien, j'ai découvert tout seul par moi-même parce que niveau matériel dans notre club on n'avait pas grand chose pour pouvoir bosser, on avait le strict minimum, donc là j'ai découvert le fitness qui va peut-être faire un petit partenariat avec le club, on sait pas encore. Donc voilà, franchement j'aime bien, j'ai découvert des superbes coachs, des bons coachs qui me donnent des bons conseils et qui m'aident aussi à progresser. C'est bien d'apprendre de tout le monde et de recevoir de tout le monde, donc franchement c'est cool, j'aime bien, c'est une bonne ambiance. Parfait. L'avenir, Jack? Bah écoute, pour l'instant moi je suis au Saint-Nazaire, j'aimerais bien après évoluer encore au plus haut parce que je bosse pour. J'ai encore envie d'aller loin et de continuer mon parcours d'handballeur de haut niveau quoi. Donc pourquoi pas aller jouer dans un club plus tard de Pro D2 ou un bon club de N1, voire Lidl Star League quoi, la LNH Top Elite. On verra bien. Faut bosser quoi, faut se battre. Voilà, tout est possible, t'es bien parti pour. J'espère pour toi, voilà, parce que tu t'arraches. Je te vois à l'entraînement, ouais. Avec ton équipe de handball, tu as l'esprit d'équipe. Les peu de matchs que j'ai vus, t'étais présent, ce qui est normal parce qu'ils t'ont pas appelé comme ça à venir à Saint-Nazaire. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On a rencontré Jack. Ça fait plaisir de rencontrer un champion comme Jack et de ce qu'il fait, l'énergie qui dégage, une énergie très très positive. J'espère pour lui une longue carrière, plein de réussites. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec un autre sportif ici à Fightness. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.